Ah, espace, frontière de l'infini, vers laquelle je voguons. Pourtant, je parle pas vraiment couramment le wogon, mais j'y vais quand même. Oh, les amis, vous êtes encore là. Et il semblerait que cette semaine soit placée sous le signe de l'espace, puisqu'on y retourne une fois de plus. Oui, lundi, vous avez été gâtés, hein. Il était bien ce jeu? Ouais. Je vais essayer de mieux me comporter que lundi. Et éviter de me crasher. Comment ça, on n'a pas vu le crash? Ah! C'est une surprise alors. On va dans un autre jeu cette fois et je vais essayer de mieux m'appliquer. Toutefois, vous allez vite comprendre que ça risque d'être la panique assez rapidement. Oui, aujourd'hui on va dans Star Citizen, le fameux Star Citizen, parce qu'il y avait une grande question qui me taraudait. C'était est-ce que le joueur lambda, qui n'y connaît absolument rien, peut accéder facilement à ce jeu? Et je vais tenter de vous répondre aujourd'hui. Puisque je suis le joueur lambda et qu'on va dans Star Citizen. Et voilà les amis, on y est, ça y est, je suis dedans, je suis dans Star Citizen. Le stream avec le scaphandre tout le long? Non, pas trop? Ok, bougez pas, je quitte. Mais si je peux pas respirer sur cette planète, ce sera votre faute. Hein. Ah. Ouh, ça sent un peu le vieux prout, mais pff, ça va, c'est respirable. Oui, Star Citizen, ça faisait longtemps que j'avais envie d'essayer le jeu et je me suis toujours tâté parce que j'ai une très mauvaise expérience des jeux multi où généralement ça s'égare dans des règles, on utilise toutes les touches du clavier et pour peu qu'on lâche une semaine complète le jeu, on sait plus où on en est quand on reprend la partie suivante. Et vous n'allez pas contrarier mon avis, j'imagine, puisque ça vous l'a tous fait probablement. On va donc bah, quand même jeter un œil dans ce Star Citizen, puisque j'ai le plaisir de le faire tourner sur une babasse qui va envoyer du gros, comme on dit. On va vérifier les options déjà, voir comment c'est réglé. Le reste, on va pas trop toucher, parce qu'il y a énormément de paramètres, déjà rien que dans les options. Et du coup, ça fait un poil flippé pour la suite. Il va falloir que je me fabrique. Oh, j'ai l'impression d'être sous poseur, c'est trop rigolo. Je suis un mal de l'espace. Je suis un mal qui est... banal. Celui-là me semble bien banal. On va pouvoir le custom bien. Hein? Select your base head. Accept. Bah c'est pas grave, c'est pas grave. Hop là, de toute façon ce qui compte c'est pas notre tronche, c'est les vaisseaux. Regardez-moi ça comme c'est joli là-bas au fond. On va admettre. Levons-nous si on peut. Alors là la bonne nouvelle c'est que levons-nous si on peut. Le clavier est mappé correctos. Youpi. Ah, ah, ah joie. Trouver un flingue maintenant. Oui, je vais flinguer tout le monde à bord. Non, c'est pas le thème du jeu. Ok. En tout cas, ça fait plaisir d'être dans un corps à nouveau. Hein, parce que je vous rappelle que lundi dernier, j'étais dans une IA. Enfin, dans un ordinateur. J'étais l'IA. Petit café. Niveau interaction, je suis pas encore au point, je crois. Pendant ce temps, bah, on va se balader. Hein. Le temps que je me fasse mon café, faut que j'apprenne à ouvrir une porte, ça pourrait être bien. Bon. Alors, le jeu rame un petit peu. Et je vais vous dire sur quelle config il est quand même. Parce que ça a son importance. Il y a même la crasse sur les vitres. Il est réglé, certes, au taquet. Ça, c'est évident. Mais. Il n'est pas supposé ramer. Faut dire, le jeu n'est pas sorti aussi. Donc, il est encore en pleine progression. Et regardez la distance d'affichage. Je pense que c'est dans le genre ce qu'on appelle du sévèrement burné. Donc on va lui pardonner ça et je vais aller faire un petit tour dans les options et on va descendre en full HD. Oui là je suis en QHD. Alors qu'est-ce que ça raconte là? Ah bah là c'est carrément... là la machine rigole. Donc on est sur un Core i9 quand même avec une 2080 Ti aux fesses pour finir de préciser les conditions. Et là j'ai basculé le jeu en full HD et il est parfait quoi.
En QHD, ça, il y avait des petits. Bah, faut dire, mes déplacements de souris sont pas super smooth. Hein. Je vais peut-être descendre la résolution. Si je retrouve le bouton. Ouais, c'est ça. Ok, on y va comme ça. Je vais essayer de pas vous donner envie de gerber avant même d'être monté dans un vaisseau, c'est moche. Puis on va faire la visite, hein, qui s'impose. Est-ce qu'on peut interagir avec ces choses qui sont en viande? Non. Regardez-moi comme c'est dégueu ici. On paye un loyer. Non, la visite. Je ne peux pas interagir avec l'exit. Ils m'ont enfermé définitivement. Non, même pas. C'est fait. C'est pas fait. C'est strange, un ascenseur sans indication. Salut. Ça biche. Ouais. Je vais te suivre, toi. On va voir où tu vas. Yo, je viens pour le. Je viens pour le. Attends, pousse-toi, je vais le faire moi. Pousse-toi, je te dis. Je vais pirater sa console et je vais me démerder tout seul pour m'autoriser un vaisseau. Qu'est-ce qu'il fout là, t'as rien à ça. On tous son con, oui, moi je m'en fous. Je suis un fou. Ah. Ça devient mieux. Cassez-vous, bande de nains, vous me gâchez ma photo. C'est vrai que ça a de la gueule quand même. Hein. Personne va là, j'y vais. On va prendre le métro, hein. Alors j'ai pas de ticket, je vais frauder, mais pff, on s'en fout. Alors y a de quoi se paumer, hein, quand on démarre. Oh là. Je vais voir si le pas des prix, ça peut être marrant. Et ça vous fera des déplacements de caméra beaucoup plus smooth. Ouais. Allez, on va se la jouer comme ça. Alors ça c'est pour se baisser, j'ai pas besoin. Pour interagir, ça doit être le Y je pense. Regardez dans les poubelles, c'est le premier truc à faire. Sauter. C'est quoi ma touche pour interagir? Faudrait que je trouve un inter. Alors c'est rigolo, les mouvements au pad sont gérés d'une manière assez étrange, c'est-à-dire ils sont accélérés au bout d'un moment quand vous prenez une direction. Pour que ce soit vachement jouable du coup. Ce qui est loin d'être bête, mais qui est très déconcertant au début. Je vais aller faire une réclamation. Oh, j'ai pas pu interagir sur l'interrupteur. J'ai une réclamation. Ok, je me casse. J'arrive même pas à communiquer avec ces. Je vais rentrer moi-même tout seul et je vais me servir. Ah! Faut que je retrouve la touche de fonction. Anyway. Options. Regardez. Est-ce que j'y ai accès? Non! Oh là 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 là. Alors, je crois que le contrôlopad est pas total. Donc on va faire juste les phases déplacement comme ça pour vous faire plaisir, que ce soit smooth. En plus je tourne bien à 90 degrés comme un vrai petit robot. Et puis après on verra ce qu'il y a d'autre à faire. Regardez ce vaisseau abandonné là, je pourrais m'en servir. Bon, il est pas top, il est pas ultra.
Mais pour un mec qui débute, c'est pas mal, non? On va essayer de s'en rapprocher. Et de tout discrètement, avec le talent que j'ai, bah le chouré, quoi. Alors c'est laborieux cette première visite des lieux, qu'on connaît absolument rien, qu'on sait pas du tout où fouler, quoi. Je vais essayer de descendre le plus bas possible, me rapprocher du niveau de ce vaisseau. Peut-être qu'avec un peu de chance, on me laissera monter dedans. Salut, je viens pour bosser. Alors on voit que l'architecture est quand même bien foutue pour vous mettre une bonne période de dépression derrière, quoi. Genre si vous bossez là réellement, vous avez envie de vous pendre quand vous rentrez le soir du boulot. Je crois que je suis vers le métro, ça peut être pas mal. Je suis pas payé. Il y a même pas un you are here. Oh, c'est vache ça. Ah, métro, métro, vite, on va monter dedans. Tintintin. Où je vais? J'en sais rien. On va se faire un reportage animalier. Est-ce que je m'assois? Non, on va rester là, les fenêtres sont nettoyées. C'est bon, tu peux fermer, je suis dedans. Mind the gap, hein. Et on va se faire une petite visite en métro, les amis. C'est pas génial. Regardez-moi ça, notre première visite en ville. Oui, on va pas faire du vaisseau tout de suite. On va découvrir l'endroit. Regardez-moi ces chantiers. C'est trop craspec hein, pour faire un vrai documentaire comme il faut. Donc on va par là-bas, mais... Mind the gap, hein. Oh, j'ai fraudé dans le métro. Ça aurait été ma première mission. Ah, monsieur K, il est fait blond, ça marche à tous les coups. Moi je passe, hein, y a personne qui m'engueule, je suis tranquille. Attendez, il y a peut-être un passage là-bas. C'est encore moi. C'est super calme chez vous, les gars. Alors, il y a des ATM un peu partout. Ah, ça y est, je suis arrivé à sortir du métro. Wouh! Oh, regardez. Combien? Combien? Cache pas là, cache pas là. Relive an all-time classic computer game series. Wing Commander. The Kill Rocky Saga brings it all back in one boxed set. As Christopher Blair battles the Kill Rocky in this epic trilogy, all of the games have been specially adapted to run compatibly with Windows 95 for a simple plug-and-play interface. Origin has added never-before-seen features. Full Dolby surround support, optional cockpits, and throttle and rudder pedal support in Wing Commander 3. Wing Commander,
the Kilrathi Saga. Shipping for winter 96. Additional free missions are available at the Origin website. J'ai l'impression de me balader au salon de l'aéronautique. Vous avez remarqué qu'il y a toujours un visiteur pour vous gâcher la photo. Casse-toi, casse-toi. Welcome to New Deal Shipyard, the finest purveyor of pre-owned vessels in all of Lore. D'accord, donc c'est un magasin qui fait des occasions. Definitely take a look around. Got some great stuff in stock right now. Bubu, je suis malheureux. Faut que j'aille faire la manche, je crois. Bienvenue dans Manche Simulateur du Turfu. Allez, je le prends. Comment ça, c'est encore 240 000? Bah, c'est moins que 2 millions du coup, mais on va avoir un problème, les gars. Celui-là il doit être donné, je pense. Enfin, je pense que surtout qu'il doit pas se piloter tout seul. Juste 5 millions et demi. Ça va, c'est tranquille. Ah, c'est un beau bébé. Oui, il doit y avoir plusieurs postes pour arriver à manipuler ce truc-là. Rien que décoller, ça doit être une sinécure, j'imagine. Ça, c'est quoi? Bah, pareil, c'est une forteresse volante, ok. On découvre. Avec 4 postes indépendants de tir et des tourelles assistées par intelligence artificielle. Pas issu de chez moi d'ailleurs, c'est une chance pour vous. Sinon, le truc se tirerait sur lui-même, je pense. Man, t'as pas un pot de thunes, la monnaie, des trucs, change. Oui, j'avais dit que je foirais la manche pour m'acheter mon vaisseau. Change. Des gens aussi disciplinés, ça fait peur. On va dire que c'est les bots qui attendent sagement d'être activés. Monsieur, dors, je le veux. Change, la monnaie, t'as pas? Je vais faire les poches pendant qu'il est complètement shooté là. Pousse-toi, t'as. Regarde pas. Eh, c'est des revues hardware porn. Ouais, je connais le truc, hardware porn. J'en ai chez moi aussi. Monsieur. Je vais réserver moi-même mon vaisseau. Ils sont pas sympas dans le coin, je sais pas. On se croirait vraiment en ville, quoi. Je sais pas comment c'est chez vous, dans vos villes à vous. Moi, la mienne, c'est exactement ça. Que des gens qui tirent la gueule et qui parlent pas. Alors maintenant, avec les masques, c'est encore plus festif, quoi. C'est beau, ça. Mais bon, on le pilotera pas, je vous le dis tout de suite. Hein. À moins que quelqu'un ait laissé les clés dessus. Et je crois qu'il faut l'acheter. Avec 5000 balles pour aller à 200 000. Non, c'est 2 000... Non, 1 million 2, quoi. Sinon... Non. Faudrait qu'on trouve un rental, hein? Parce que là, acheter direct, ça va peut-être pas le faire. Bon, pour regarder les vaisseaux. Salut! Je viens pour H, pour le loup. Pour un prêt? Vous prêtez pas les vaisseaux? T'es sûr? Regarde, je jump devant toi. Je peux m'agenouiller aussi si tu veux.
quartier. Allez, 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 allez. S'il te plaît, t'es grand, t'es fort, t'es beau, tu sens bon le savon. Pff, vie de merde. Je le veux, je le veux. Tu me prêtes? Hé, j'ai une idée, tu l'achètes, je le pilote. Comme ça t'évite de t'user les mains, regarde, t'as des gants en plus. Ça t'emmerderait, je pense. T'es sûr? Sûr, sûr, sûr? C'est ton dernier mot? Après, je m'en vais, hein. Ok, oh là là. L'argent? T'as de l'argent? L'argent? S'il te plaît? De l'argent? Un peu? Pour acheter un vaisseau? Oh, comme il regarde bizarre, lui, j'aime pas. Monsieur? Monsieur? Monsieur, mon but en fait dans ce jeu, c'est de faire chier tout le monde, quoi. Je sais ce qu'il y en a un qui craque et qui me file un vaisseau. Ton écran là, il est éteint. Tu regardes quoi? Tu t'es brûlé la pupille? Ok, je te laisse. T'as pas d'argent? Pour manger? Pour manger? Pour acheter une revue un peu. Ah. Les résultats du tiercé. Oh purée, vous êtes pas sympa les gars. Je pense qu'il n'y a pas des trucs à piquer quand même. Une souris, ça se revend sur eBay du futur. Les gars, les gars, de l'argent, t'as de l'argent? De l'argent, t'en as? Sérieux, de l'argent? Donne-moi de l'argent. De l'argent. Fais pas semblant de pas me voir, connard. On la connaît tous, celle-là. Je suis à côté de toi, je suis à 20 cm. J'ai mauvaise haleine. De l'argent, s'il te plaît. Ok, j'y vais. Mais bon, no way les gars, no way. Je pense que pour monter c'est par un pied, enfin, par là. Je crois qu'il va m'inviter à payer. Oh, on peut visiter le dedans. Si on peut décoller, je le fais les gars. Ah ouais, non, mais moi je suis comme ça maintenant. Echo, echo. C'est grand, grand, grand. C'est où l'avant? Avant? Doit être par là. Coupi. Oh là là, tout ce matériel dispendieux, les amis. Oui, c'est mon expression du moment, dispendieux. J'arrête pas avec ça parce que ça me fait beaucoup rire. Qu'est-ce que quoi? Je suis où? Je fais quoi là? C'est pas l'avant? On m'aurait mon Dix. Poupi. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, on peut visiter tout en intégralité. Je descends là, tiens. Oui, et je vais me faire une chouille. Oh, regardez où qu'on est. On va pouvoir tirer sur des gens innocents. Ah non, c'est pas un truc de... Est-ce que ça marche? Ça peut marcher, logiquement, ça peut marcher. On s'y croit. C'est un siège de pilote, ça, les gars. Ouh, putain, comme c'est confort. Oh, regardez-moi ça. Je peux démarrer ce vaisseau et me barrer avec. Seriously? Me laissez pas faire ça. Quelle erreur, mais quelle erreur! Aegis Combat Assist activated. Systems green. Close exterior. Oui, on va faire ça. Je sens qu'il va y avoir un accident. Quand ça? Aujourd'hui? Où ça? Maintenant? Comment ça, c'est pas un endroit? Ok. J'ai encore rien compris, il est déjà en train de m'expliquer. Monsieur, non, non, je vais me lever, je vais m'en aller.
C'était vraiment intéressant. Comment ça, je coupe pas le moteur, rien? Non, non, je vais écouter le bruit qu'il fait, voir si je l'achète. Moi, c'est au bruit, hein, que je fonctionne. C'était l'ascenseur. On va essayer de trouver la sortie. Oh là là, il y a encore un siège là. C'est vraiment injuste. Ah si, c'est un Enter the Tourette. Pute. À nous la tourelle. Est-ce que j'ai le droit de tirer? Ça m'étonnerait. Normalement, l'armement ne peut pas être engagé, on est au sol. Donc j'ai trouvé la tourette, mais j'ai pas trouvé la sortie du coup. C'est une tourette là, il y en a une en face, c'est symétrique. Par où je viens d'arriver? Je n'en sais rien, hein, mais quelqu'un. Le mec qui arrive à se perdre dans un vaisseau, quoi. Vous en connaissez beaucoup, vous? À la salle des moteurs. Wow. Il y a quelqu'un qui a oublié de les éteindre, j'ai l'impression. Je me demande qui d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça, c'est le poste du mec qui glande. Qui fait, oh toi, amène-nous là-bas. Et toi, il faudrait que tu vérifies les mitraillettes dans la queue si elles marchent bien. Voilà, et amène-moi du café. J'ai plus de café là, regarde. Pas sûr. Poupi. Allez, go down. De sortir, je vais peut-être enfin y arriver. Libéré, nanana. Oh, le grand Paer du dehors. Vite, on va aller voir la vue. Ça m'a rendu claustrophobe d'être paumé dans un vaisseau et de plus trouver la sortie. Regardez-moi ça, comme c'est beau. The war is over. The Kilrathi invaders obliterated by the Confederation. Now peace and prosperity rule. But the wounds of battle are slow to heal, and a frightening new enemy is born. And now they attack us? Fueled by the horrors of war, a deranged human mind unleashes terror upon the innocent. You're gonna wish you never met me. I already do. Yesterday's heroes are summoned to fight in a battle whose victor will control the fate of mankind for centuries to come. Mark Hamill, Malcolm McDowell, and Tom Wilson embark on an epic journey that puts the destiny of all mankind in your hands. Wing Commander 4, The Price of Freedom, get into the game. Now available on CD-ROM in a software store near you. Je vais aller voir, je suis curieux moi. Si, si, regarde les gars, vous regardez quoi? Je peux regarder avec vous. À propos, change, la monnaie, vous avez pas de la monnaie? La monnaie. Un petit peu, allez. Oh, toi, gros. Dernier mot. Un peu, je suis pas juste pour un sandwich et un aller sur une planète. Oh, ils sont pas sympas, je lui ferais bien les poches lui. Merde. Propos, un petit peu de monnaie, de la thune, tout ça. Bon. Alors là, il y a du monde. J'ai tenté de ma chance. La thune? T'as pas un peu de thune? Du liquide? T'as des pièces, n'importe quoi, même des billets, c'est plus léger. T'as pas un peu de flouze? Allez, regarde le beau costume que t'as, quoi. Tu l'as payé, tu l'as pas looté, ce truc. Je vais prendre des bagages discretos. Je peux interagir avec ces fauteuils, vous avez remarqué, mais pas avec les bagages. Peu de thunes, monnaie,
Non. Putain, ils sont pas très sociaux, les mecs. Et ils laissent leur bagage partout comme des merdes, quoi. Mais je ne peux interagir qu'avec les fauteuils. Dites-moi pas que je viens de trouver comment louer un vaisseau, ce serait magique. On va commencer avec celui-là, il me plaît bien. Oh les amis, on va peut-être faire un petit tour dans l'espace. Enfin, si on se crasse. Si on se crache pas au décollage. Hangar 9. Ok, bah j'y vais. On va au hangar 9. Les amis, on a le MISC Freelancer qui nous est réservé dans le hangar 9 et on y va. Je vais cracher mon premier vaisseau. Je suis ému. Regardez comme il est beau. Mais... Je l'adopte immédiatement. Oh. C'est mon vaisseau, à moi. Mine, mine, mine. Oh, attendez, faut que je me mette devant. Maintenant, il va falloir trouver comment on rentre dedans. Oui, quand on découvre un jeu de ce genre-là en particulier, tout est à faire, quoi. C'est peut-être par là. Ouais. Attention les gars, là, pas sur moi. Oui, parce que je suis capable de voler avec la soute ouverte. Oh, notre premier vaisseau, les amis, je suis ému. Mais alors, ému, vraiment. Maintenant, reste à voir un léger détail qui est la procédure de décollage. Et voilà, posé comme une mariée. Maintenant, faut que je me rappelle quel bouton c'est. Il y en a au plafond? Non, c'est pas un Boeing. Ouf. Je viens de mettre en route l'étuyère. Ça va être un grand moment ou le plus ridicule de ma vie. Et c'est maintenant. Bien. Oh putain! Alors, faudrait que je passe en caméra extérieure, ce serait génial. Fuck yes. Attention décollage, les amis. Comment je bouge ma caméra, si je veux bouger ma caméra? Oh, putain. Alors, je sais pas si les portes sont ouvertes. Hein. Ni comment je sors, d'ailleurs, les filles. Logiquement, il y a une procédure de contrôle qui veut que j'annonce mon intention de me barrer au contrôle. Pip, pou, pip. Pip, pou, pip. Je vais faire un scandale dans ce hangar, je crois. Comment je descends? Ok, j'ai trouvé. Il n'y a rien d'ouvert autour de moi. Comment je peux me barrer d'ici si on m'ouvre pas? Ah, ah, ah. Je voulais vraiment pas, les gars. Oh putain, qu'est-ce qui vient de se passer? Je viens de me ramasser la gueule, mais bien quoi. J'ose pas mettre en caméra extérieure, je sais très bien ce qui s'est passé et je veux pas vous faire voir ça. Et vous non plus, vous ne voulez pas voir ça. Vous voyez le plafond? Vous voyez le plafond? Bah, en fait, c'est le sol. Et vous voyez les deux mecs là-bas? Je crois qu'ils sont en train de se foutre de ma gueule. Alors, on va faire le mec qui était pas là, qui est jamais venu. Tintintin, je vais me casser la gueule au plafond, moi. Non, même pas. Ah, ils me l'ont remis comme il faut. Qu'est-ce qui se passe? Je marche au plafond, je suis Spider-Man. Je vais sortir. Je veux pas qu'on sache que c'est moi qui ai foutu ce bordel. Ouvre.
Attention, tu vas retomber sur le sol. Hop là. En fait, il y a un système anti-G dans le... Il y a une gravité artificielle dans le vaisseau. Bah dites donc, qui c'est qu'elle a abandonné ce vaisseau ici, avec les moteurs allumés en plus? Ça super craint, moi je me barre. Est-ce qu'on l'a trouvé? Alors, mon hangar bouge. Ça, c'est la super good news. Maintenant, si ça pouvait... Oh, c'est ouvert au-dessus. Ça veut dire, mes amis, mes kiki, mes potes. Ah ouais, on va y aller, là, pour de bon. Ah, vous auriez pas cru hein, que je m'en sortirais. Alors, attention, ça va peut-être tanguer un petit peu. Comment je me suis foutu? Ok, ok, attends, ça passe, ça passe. Oui, je suis spécialiste des décollages à l'envers. Je vais me faire broyer par ce truc. Mais je pense qu'on va y arriver. Ah, si je me fais pas broyer par ce truc. Bon les amis, on est en l'air. C'est déjà un progrès. Maintenant, il faudra que je vise l'espace plutôt que le sol. Et on va décoller comme ça, je vous le dis. Bah, c'est original. Vous en connaissez beaucoup, vous, des gens qui font ça? Ah non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Ouh! On va y arriver petit à petit. Alors maintenant, il me faudrait les tuyères, ce serait bien. Oh, le premier vol de Monsieur K, ça va être laborieux. On va repasser en interne, je pense, parce que... en extérieur, ça va être terrible à piloter. Bon, je ne cache pas mon émotion. Commandant, tuyères à 3. Hein, on va se mettre les tuyères à 3, si on les trouve. Oh putain, j'aurais pas dû. Ça s'appelle un train d'atterrissage sorti, mais vu comme ça, ça se voit pas. Donc ça va. Vous me l'achetez? Où c'est que je rentre mes papates? Ah! Attends. Où je m'habitue. Location, ça c'est mon radar. On peut zoomer dessus. Ok. Alors la distance d'affichage est assez monstrueuse. Dans ta gueule, GTA. C'est loin, ils sont petits ou c'est moi qui mets du temps? On va dire que c'est un peu le cumul des trois, hein, probablement. On voit que j'ai légèrement cramé l'avant du vaisseau, non? Non, c'était un bug de... Un bug de Shadow. En tout cas, quand on voit la quantité de curseurs qu'il y a autour, on se sent pas seul, en fait. J'ai engagé le drive, je ne sais pas comment je le désengage. Je sens qu'on va se prendre un satellite ou une météorite sur la gueule, c'est obligé quoi. En plus c'est super loin là où j'ai dit que j'allais quoi. C'est loin d'être une riche idée. Regardez mon carburant, regardez ce qu'il dit. Alors c'est beau, ouais, c'est très beau. Monsieur K, l'avionneur du futur.
qui va probablement très mal finir. J'ose plus rien toucher. Parce que du coup, je me dis que bah, ça pourrait être pire. Je voudrais pas rater l'arrivée parce que ça pourrait être fracassant. Oui, ce serait pas la première fois qu'un vaisseau se pulvérise sur un objet céleste. Juste parce que le pilote a oublié de désengager son hyper quantum drive. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'il y a comme popcorn? Lost in space. Regardez-moi ça, je suis arrivé en plein milieu d'un champ de pop-corn. C'est étonnant que je n'ai pas été pulvérisé juste avant. Parce que ça, un seul sur le cockpit, à la vitesse où j'allais, on n'essaye même pas d'imaginer en fait. On va se quitter là parce que c'est trop d'émotions pour un seul homme. Voilà, c'était la semaine d'essai de Monsieur K dans Star Citizen, qui est un bien beau jeu. Oui. Mais il faut vraiment s'y mettre. Donc ça veut dire, je vous le rappelle, vous allez passer vos premiers jours à vous taper essentiellement des tutoriels vidéo sur les différents supports, histoire de piger rapidement ce qu'il faut faire et comment aller au plus vite apporter des réponses à vos envies. Et c'est une fois ce rituel d'initiation passé, et seulement une fois qu'il sera passé, que vous allez pouvoir enfin vous perdre dans l'espace comme Monsieur K, et vous en sortir bien, bien mieux que lui, ce sera pas très dur, pour tenter exploration, combat, négoce, commerce, et plein d'autres choses qui peuvent être intéressantes et vous bouffer totalement la vie. Allez, je vous abandonne. J'ai une sortie dans l'espace à faire. Je veux pas que vous voyez ça.